la baga, le Zeyon, le Zeyon, la baga, on veut du Zeyon, la baga, le Zeyon, le Zeyon, la baga, on veut du Zeyon, on veut du Zeyon, le Zeyon, le Zeyon, la baga, on veut du Zeyon, on veut du Zeyon, le Zeyon, le Zeyon, la baga. Salut Internet, c'est Kamoff, je suis en compagnie de Ulevi, le frangin. Vous savez que maintenant dans les intros, il va être de plus en plus souvent ici. C'est pour fêter les 400 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Donc je tenais d'abord à vous remercier d'être de plus en plus présents, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et j'aimerais que ça soit réciproque pour mon ami Ulevi. Alors je me présente, c'est Ulevi, je fais des parodies sur Fortnite, des vidéos troll et des lives tous les jours. Vendredi, donc dans 2 jours. Ouais. Je vais faire gagner le pack à 20€. Ouais. Et donc pour gagner ce pack, ouais, je ferai un tirage au sort parmi tous ceux qui mettent mon code créateur. Bien sûr, faudra. Bing, ici. Et bien sûr, faudra être présent dans le live. Vendredi à 18h sur son live. Allez, je me casse. Encore ? À chaque fois que tu t'en vas, tu fais l'intro, tu te casses comme ça. Bon. Merci à Infonet d'avoir laissé ce commentaire. On a réalisé ton défi. Donc je vous laisse regarder cette vidéo pour savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est terminé. Sur 5 ou 6 paris que j'ai joué dernièrement, ils sont tous rentrés. Je vous mets la capture d'écran en preuve. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Donc franchement, rajoutez-le. Son snap, il s'affiche en haut également. Si vous voulez gagner de l'argent et si vous êtes intelligent et que vous suivez ses conseils, vous serez obligatoirement gagné. Voilà. On passe au sujet de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette intro et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. Ciao. Bon. Et allez voir le clip de Drismer, c'est l'artiste que j'ai mis au tout début de la vidéo qui fait du rap sale. Si vous voulez écouter de la bonne musique, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y a le lien de son dernier clip et c'est vraiment un pur régal. Ciao. Alors voilà les gars, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, vous allez voir beaucoup plus Soso qui est avec moi. Son snap, il s'affiche juste en bas, monteur s'il te plaît. Et aussi Bâtard. Voilà, arrêtez de me poser la question pourquoi il s'appelle Bâtard. Il s'appelle Bâtard, c'est tout. Ils font officiellement partie de l'équipe. Et vous allez les voir de plus en plus dans mes vidéos. On va aller dans un quartier chaud. Je vais y aller avec Bâtard. Ça va être mon stagiaire. C'est comme si c'était mon stagiaire. Et moi, je vais y aller avec des plans et un ordinateur portable pour leur faire croire, comme je vous l'ai dit, que je vais construire un terrain de golf. Soso restera avec le caméraman au cas où ça va plus loin et voilà, au cas où il y a des problèmes. Voilà, tout simplement. So, Bâtard. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on passe de l'autre côté là-bas. Caméraman, tu restes là. Nous, ce qu'on fait, on passe de l'autre côté et on fait comme on si passe on... Par, ouais, on passe par les buissons. Ouais, on passe par les buissons en fond, on fait comme si on lisait des plans. Tu vois, c'est ils sont bon combien ou... 1, 2, 3, 4, 5, ils sont 6. Au pire, moi, je reste avec le caméraman, c'est... Parce voilà, faire le tour, voilà, ouais, ouais, reste là, si tu vois que ça chauffe, tu mets. Allez. C'est vers là que... Tu vois, ici, là. Ouais. Celui-là, faut... lui, je pense qu'on va le faire sauter. Celui-là, bon, c'est même pas la peine, on le fait sauter aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, les plans? Ouais, c'est ça. Viens, regarde ici, s'il te plaît. Pour voir si tu as bien compris, ouais. C'est lequel qu'on fait sauter? C'est celui-là. Mais non, c'est tous. Ah, ouais, c'est vrai, t'as c'est pas, vrai. T'as, c'est pas, t'as pas compris, c'est, ouais, voilà, c'est, vrai, c'est vrai. Tous, ce bâtiment-là, lui, il dégage. Lui, il dégage. Lui aussi. Pardon? Ça vous regarde pas, monsieur, on travaille là. On est en train de travailler. On travaille. Comment on travaille sur quoi? Ça, excusez-moi, vous pouvez... Je suis en train de travailler, s'il vous plaît. On est venu ici parce qu'on veut faire de votre quartier quelque chose de beau. Parce que là, faut dire ce qui est, c'est dégueulasse. Il y a des gens qui habitent ici, là? Vous habitez ici? Mais c'est dégueulasse. Je croyais que c'était inhabité, moi. Je croyais qu'il y avait personne ici. Mais non, mais pourquoi déjà vous êtes agressif? Moi, je viens pour un projet ici. Non, mais je viens pour un projet immobilier. Après, on va aller où? Mais je sais pas, après vous avez. Vous serez relogé dans un gymnase. Ah, ou... Non, mais là vous posez trop de questions. Déjà, vous êtes dit. Je vais même pas parler avec vous. Attends, on peut aller un peu sur le côté, s'il te plaît. On peut aller voir. T'as encore le plan? Attends, attendez. Ah, je vais vous expliquer. Je peux vous montrer le plan? Je vous montre le plan. Je vais vous montrer. Est-ce que vous savez lire? Je sais pas. Bon, écoutez, là ce qu'on va faire, on va tout détruire. C'est-à-dire que vous habitez dans quel bâtiment? Bah, chacun, ouais, on habite là. Chacun a son bâtiment. Là-bas, un peu de partout dans le quartier. Bah, il va falloir partir, les gars. Parce que là, le projet. Le projet. Celui-là, celui qui vient en premier, c'est lui, il va sauter en premier ce bâtiment. Il y a ça qui va sauter. Mais après, quand tu vas voir les bulldozers,
chez toi, dans ta fenêtre. Tu vas être obligé de partir. Voilà, on va faire de cet endroit quelque chose de propre et d'accueillant. Voilà, bien sûr. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, que vous soyez d'accord ou pas, après, c'est vous n'allez pas aller contre le projet. Vous ne pourrez pas aller contre. Je vais faire un terrain de golf. T'as craqué. Voilà les gars, moi je vous dis honnêtement, ça sert à rien de s'énerver, de se disputer. Vous fumez quoi monsieur? Je vais te poser des questions, hein. Dis ton truc et on t'écoute et pose pas de questions. Bon, tu peux discuter avec qui de censé ici? Non mais je sais pas parce qu'il y a un mec. Comment on va construire un terrain de golf quoi qu'il arrive parce que le projet il a été signé. C'est bizarre, vous avez pas été au courant. Comment ça il a été signé? Personne vous a mis au courant. Bah ça va bien, t'es plus de toute façon vous allez être. Vous serez relogé dans un gymnase. Comment ça un gymnase? On te roue. Tout le monde. Ce projet il va ramener des millions à la ville de Marseille. Alors tu perds des gens là. Là tu nies des gens là. Tu vas voir la mairie, tu lui dis qu'elle va se faire. Et qu'il n'y aura jamais cette merde là, tu as craqué ou quoi? D'accord. Et tu crois que la mairie, quand tu vas y aller, tu vas dire ouais, ça? Ouais, c'est pas, je parle trop pour rien, quoi. J'ai rien face à la mairie. Eh, un golf, ça vous plaît pas? Vous êtes pas golfeur? Y'a personne qui fait du golf ici? Non, personne, dormir, personne. Vous êtes golf. Non, t'as pas dit de dormir. Ici, c'est pour jouer, c'est pour accueillir des gens. Des personnalités, des gens de. Au milieu. Non, ben voilà. Mais là, c'est pour accueillir des gens du haut milieu. Ça y est. Ben voilà, on fait comme ça et puis c'est tout. Mais c'est le réseau, on va faire comment? Ben il y aura plus de réseau, plus de SFR, plus de. Plus de Orange, plus de 4G. Des réseaux d'internet. Réseau de quoi alors? Ben réseau de charbon, oui. Le charbon. Et ouais, c'est pas venu. Il était derrière toi, moi j'ai couru, je t'ai pas vu. Je vais l'appeler. Oh putain, tu es en train de me mettre dans une merde là. Bonjour, vous êtes en train de. Oh putain. Oh putain. Comment on peut faire? On fait quoi? Je suis pas mauvais, j'ai. Oh là là. On y va? Ouais, on voit déjà s'il n'est pas la voiture, s'il n'est pas. La voiture, on va faire un tour d'or. Le but, c'est ce qu'on fait, on va voir la voiture, s'il n'est pas devant encore, qui nous attend. S'il n'est pas, on fait un tour. Ouais. Alors, bâtard. Gros, là, c'est la panique totale, hein. On a perdu Kamov. On a fait une caméra cachée qui a très, très, très mal tourné. Donc, du coup, voilà, on est en train de regarder, on est en train de faire les alentours du quartier. On cherche, on n'a pas trouvé. Après, si vraiment on ne trouve pas, on va essayer de rentrer dans le quartier pour regarder, on sait jamais, si ça repart trop en live, on repartira. Si vraiment il y a un problème, on risque d'appeler la police, se faire voir. Non, c'est pas pour nous. Je crois pas que c'est pour nous. Mais j'espère pas. Scooter. C'est pas le mec qui était en noir tout à l'heure qui l'a insulté? Motocross, je sais pas. La vérité, je sais pas du tout. On est en train de tourner, ça fait plus de 10 minutes là, quand même 10-15 minutes non? Et moi je me filme parce que le caméraman il conduit, il peut pas faire deux choses en même temps. Attends, gros, il y a quelqu'un là. Oh mais c'est lui. Oh putain. Il est là le Sancho. Oh gros, gros c'est parti en couille. Frère, tu sais quoi, ils m'ont pas frappé, mais regarde ce qu'ils m'ont fait frère. Pourquoi ils t'ont fait ça? Eh gros, parce qu'on les a pris pour des cons, frère, ça leur a pas plu. Ah, par contre, on peut parler après, vous me détachez. Attends, gros, Tire pas, ça va me dire. Oh putain, Sophie. Oh gros, ça fait au moins une demi-heure, je suis là. Oh, les gens, ils s'arrêtent, même pas ils m'ont aidé, frère. Y'a des gars qui m'ont aidé, gros. Personne s'arrêter? Personne. Mais les gens regardent. Elle rigole. Voilà. Rigole et il se bat. Ah, désolé, gros. Gros, je dois avoir de la trace et tout, non? C'est tout rouge. Et ouais, c'est normal, ça fait une demi-heure, je suis là. Désolé, c'est le scotch. Gros, ce moment, c'était fou. Ah, ce qu'ils m'ont fait. Ah, les gars, plus de peur que de mal. Ah, ils m'ont fait une action de fou. Ouais, t'as peut-être une femme. Ah, tu vas voir, au début, j'ai eu peur. Je suis pas monté, j'ai pas eu le temps de courir. C'est ça que on verra la vidéo, tu verras, j'ai pas eu le temps de courir. Ils m'ont attrapé.
Ils m'ont pris, ils m'ont mis sur le côté. Il y en a 5 ou 6 qui m'ont tenu. Il y en a un, il a dit va chercher la corde du scotch. Sa mère, alors j'ai pas compris. J'ai dit vont me tuer, vont me mettre dans un. Au début, je me suis dit quoi, ils vont me mettre dans un coffre. Ils vont m'attacher, ils vont me mettre dans un coffre, ils vont me tuer. Il y en a, il m'a dit quoi, il m'a dit ouais, mais je sais, mais je t'ai reconnu depuis le début. Et c'est pour ça que. Tu as compris? Il m'a dit donc maintenant, on va te faire comme toi, tu fais au gadio sur les vidéos. Ils m'ont fait quoi? Ils m'ont pris. L'autre, il est monté prendre du scotch et tout. Ils m'ont mis là, ils m'ont attaché normal. Ils m'ont dit allez. Tes collègues ils vont te chercher ou quelqu'un s'arrêtera. Toi, ils vous ont pas chopé vous? Non, non, on est arrivé dans un cul-de-sac, je croyais qu'ils nous couraient encore derrière. Et quand on a vu qu'ils étaient plus là, moi et Bata, on a décidé de faire demi-tour. C'est chaud, ils m'ont pris la veste par contre, ça. Voilà, j'ai plus la veste. Les enculés. Ouais, ils m'ont niqué la veste. C'est la veste. Ceux qui ont fait ça et qui regardent mes. Parce que ceux qui ont fait ça, ils regardent mes vidéos. Ah ouais, ils franchement, bien. Bien joué. Ah, franchement, rien d'un. Parce que tu sais quoi, ils auraient pu être violents, ils auraient pu être agressifs, ils auraient pu me frapper. Mais t'as pas mis une gifle, frère? Rien, frère. Ah, ça rien, va. Rien. Ouais, vidéo de sgeg encore. Vidéo de fatigué. Non, ton téléphone sur messagerie, en fait. Non, je sais pas où est le téléphone. J'ai plus de téléphone et j'ai plus de veste. Alors je sais pas s'ils me l'ont niqué ou si je l'ai perdu dans le délire. Non, on va pas laisser ça comme ça. Non. Frérot, il était tel téléphone. Et ils sont messagerie direct. Eh ben, ils m'ont pris. Ça par contre, c'est pas bien, les gars. À ceux qui m'ont pris le téléphone, sachez qu'il y a la géolocalisation dessus et que je vais l'activer en rentrée, je vais voir où il est le téléphone. Par contre, là c'était bon enfant, tu vois, je rigolais tout à l'heure. Ils viennent me montrer que j'avais plus le téléphone. Et là, par contre, j'ai pas déliré. Donc le téléphone, c'est simple. Soit vous me le ramenez. Quand vous allez voir cette vidéo, soit vous me le ramenez, soit simple, je vais mettre la géolocalisation et je vais venir chez vous. Par contre, le téléphone, il faut qu'il ressorte. Voilà, le téléphone, il faut qu'il ressorte. Là, il y a la géolocalisation, dans tous les cas, je vais le reprendre le téléphone. Donc, soit vous me le ramenez, soit je viens chez vous. Voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour une fois, c'est vrai, le sort s'est retourné contre moi. Mais en même temps, faut dire qu'on l'a bien cherché. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Snapchat et sur Instagram qui se sont affichés tout au long de la vidéo. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Merci à Bâtard, merci à Soso. N'oubliez pas de rajouter sur Snapchat, c'est important et ça leur fait gravement plaisir, ça leur donne de la force. Pour acheter nos vêtements Camoff, si vous voulez porter notre marque, si elle vous plaît et si vous êtes une femme, un homme ou un enfant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Comme vous avez pu le constater, le sort s'est cette fois-ci retourné contre moi et j'ai laissé mon téléphone. Restez branchés et restez à l'affût parce que j'ai géolocalisé mon téléphone et je sais actuellement où il est. Je vais aller chercher mon téléphone, je vais le récupérer, je vous fais la promesse et je vous filmerai ça et on postera cette vidéo sur notre chaîne YouTube, donc soyez vraiment à l'affût. En attendant, c'est l'heure de vous laisser, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci encore pour les 400 000 abonnés, j'espère qu'on ira plus loin et qu'on atteindra la barre des 1 million un jour. Mais en attendant, n'hésitez pas à revenir mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo et surtout ne reproduisez pas ce qu'on a fait car ça peut être dangereux. Merci à tous d'avoir regardé ce prank, je vous dis à mercredi prochain, gros bisous à tous. Ciao.